finalement, ce n'est pas si terrible. C'est plus de penser à ça qui est, quand l'enfant naît, qui est terrible, que de le vivre. Quand on le vit au jour le jour, finalement, ce n'est pas... Ouais, c'est pas si dur. Ce n'est pas toi que j'attendais. 256 pages de romans graphiques dans lesquels Fabien Toulmé se met à nu pour nous raconter l'histoire de Julia, sa fille trisomique. Un handicap auquel il n'était absolument pas préparé. Bah, la première réaction, c'est surtout penser à moi, en fait, égoïstement, de me dire si effectivement elle a trisomie, ma vie change en pas bien. Je vais passer ma vie à m'occuper d'elle et ce sera un fardeau. Des propos durs, tout comme les sentiments qui animent alors le jeune papa. L'auteur ne s'épargne pas dans ce témoignage poignant sur le handicap. Mais du rejet jusqu'à l'acceptation, il dit et dessine tout, toujours avec humour et tendresse. Avant, quand les gens nous regardaient, moi ça me mettait mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec la situation, j'avais pas intégré le truc. Aujourd'hui, sincèrement, je ne fais pas attention. Je pense qu'ils me regardent parce que ma femme est belle, mais enfin, il n'y a pas d'autre raison de me regarder. Je pense que je suis moins con qu'avant sa naissance, quoi. Avant qu'elle naisse, j'étais ignorant par rapport à la question du handicap, de la trisomie, et j'en avais peur, et ce n'était pas des peurs fondées. Et forcément, je suis beaucoup plus tolérant aujourd'hui que je l'étais avant. Donc, ouais, j'estime être une meilleure personne aujourd'hui qu'avant. Fabien Toulmé signe là son premier livre. Lui qui avait toujours rêvé d'être auteur de BD a réussi le pari de conquérir le public avec un thème difficile. Mais finalement, derrière le handicap, le livre traite d'un sujet tout aussi universel, celui de l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. J'ai pas voulu dessiner